vraiment la seule solution qu'on a. Lila, ne commence pas. Ça, c'est la glorieuse idée de ta grande sœur. Non, mais sérieusement, vous la fermez. Lorsque nous sommes sortis de cette maison, on avait un seul objectif, creuser. Alors creusons et fermez vos gueules. Moi, j'ai proposé qu'on brûle. On ne serait pas en train de se démerder. Yves, recommence celui-là. On devrait plus être en train de se disputer. On se dispute encore parce que vous ne m'avez pas écouté. Mais s'il te plaît, ne recommence pas. Calme, pourquoi faut-il toujours que tu joues ton intérêt sale? Mais arrête un peu. Et toi, Jay, tu ne devrais pas parler parce que tout ceci, c'est de ta faute. Arrête de me dire ça. Et arrête de prendre pour le chef. Tu n'aimes que personne ici. Ah, il s'est reparti. Je te permets pas de me manquer de respect. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Wow. Donc c'est moi le bête ici quoi. Je creuse, vous bavardez. Deux gros et bons gaillards en train de se crêper le chignon avec à leur côté les pleureuses. Wow, super. Vous savez quoi? Démerdez-vous. Hé. Où comptes-tu aller comme ça? Où vas-tu? Contrairement à vous, j'ai encore une maison. Je rentre chez moi. On s'en va. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je vous ai déjà tout dit. Que voulez-vous savoir de plus? Racontez-moi la soirée à zéro avec tous les détails. Plus vite vous me direz ce qui s'est passé, et plus vite je vous laisserai partir. D'accord. En fait, je reste à Douala avec ma grande sœur. Non, j'ai pris tout ce dont j'aurais besoin. D'accord. Alors, promets-moi de prendre soin de toi. Parce que c'est tout un week-end et avec tout ce beau monde qu'il y aura là-bas, j'ai peur que tu ne fasses des bêtises. Non, ne t'inquiète pas, grande sœur. Je serai sage comme une image. En tout cas, je vais appeler Brian pour lui demander personnellement de prendre soin de toi. Pas la peine, grande sœur. Je ne suis plus quand même une gamine. Est-ce que c'était une question? Allez. Tu sais que tu es tout ce que j'ai de plus cher. Et ce garçon a plutôt intérêt à bien prendre soin de toi quand vous êtes ensemble. Ne t'inquiète pas, il va prendre soin de moi. D'accord. Moi aussi, je t'aime. Allez, on y va. Parce que là, il ne faut pas que je sois en retard. Donc, tu n'as rien oublié. Je te dépose à l'agence et puis moi, je vais au travail. Non, mais attendez, c'est quoi ce regard? Je vous plais, c'est ça? Bon, en même temps, vous savez, les beaux garçons comme moi s'en coupent à l'heure du coup. Je peux comprendre que vous me jetiez ce regard de hyène prête à bondir et à dévorer sa proie. Je vous écoute. Visiblement, vous n'allez pas me lâcher, c'est ça? Bon, d'accord. Nous sommes arrivés chez Brian presque au même moment. Il était environ 16h, 16h30 par là. Marie, la superbe Marie, l'infatigable. Tu me la fais pas moi, Brian. Je connais ce sourire. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu vas laisser ça. Et pourquoi? Parce que j'organise une fête et il y aura des filles. Elles vont s'occuper de ça. Des filles? Je n'ai pas besoin d'elles. Quand elle vient de se mettre à l'aise, vous saurez gérer. Marie, tu as fait tellement. Mais toi, tu sais qu'Emmy peut aller faire, non? Je sais la raison pour laquelle je veux que tu prennes ta journée. Oh mon Dieu, t'es vraiment têtu, Brian. Tu t'es dit non, donc arrête d'insister. Maintenant, tu es parti. La chambre est libre, le salon est libre. Mais de grâce, laisse-moi travailler. Oui, c'est ce qu'on va faire. Tu déposes tout ça. Oui, tu déposes tout ça. Comme j'ai dit, tu prends ta journée. Oui. Fais-toi plaisir. Non, on va s'occuper de ça. Fais-toi plaisir, tu vas prendre de l'air. La personne. Oui, Marie, tu vas prendre de l'air. Ah, j'espère qu'on va passer une belle soirée. En tout cas, moi, je suis venue m'amuser. T'inquiète, à ma compagnie, tu passeras la soirée la plus cool. En passant, tu connais la personne qui organise la fête? Parce que moi, je ne connais personne, mais j'ai une amie qui m'a eu ce mal de venir. Non, Brian, c'est un ami à moi. Accroche-toi juste à moi. Ok. Brian, tu es jolie, hein? Merci. Tu peux m'appartenir, hein? Tout, non, je vois. Moi, comment tu te fais?
Brian. Alors, nous avons la maison juste pour nous ce week-end, c'est ça? Comme d'habitude, vous n'ignorez rien. Juste un petit souci. Faites attention à ce que vous touchez, s'il vous plaît. Oh, n'exagérez pas, Brian. À peine arrivé. Ave, Brian. Chapeau. Non, mais sérieusement, si le plan, l'objectif, était de nous amener chez vous, nous flasher le luxe et la richesse de tes parents aux yeux, réussi. Bravo. Non, mais comment est-ce que tu peux inviter les gens? Tu leur dis, venez, on va faire la fête, on va s'amuser, on s'enjaille. En même temps, c'est toi qui nous mets encore des barrières. Non, mais tu es fou, tu t'en fous. Mais les gars, c'est pas une question de barrières ou de quoi que ce soit. C'est quoi? Je demande juste que faites un peu attention à ce que vous touchez. Mes parents tiennent vraiment à ce qu'il y a présentement dans la maison. Bon, il y a quoi à manger? Moi, j'ai déjà faim. Lila a envie de faire manger. Leïla, ma puce, je suis surprise que ta grande soeur si protectrice t'ait laissée partir pour tout un week-end carrément. Elle sait que je ne suis plus une gamine. C'est vrai aussi, tu ne l'es plus. De toutes les façons, les filles, moi je suis ici pour m'amuser à fond. Donc je ne compte pas laisser une seconde passer. Ouais. En attendant, je vais prendre un peu de lait dehors. Là, tu vas. Non, moi je me dirige directement au cœur de la maison, la cuisine. Alors, que la fête commence! Je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ce condiment Percy. Ça n'a pas de si, c'est un nom plus Percy. Tu as vraiment de grands questions existentielles. Jennifer. Jennifer. Le cœur de la maison. Avec les femmes du monde. Surtout moi, je suis poum. Alors, le petit, qu'est-ce qu'on mange ici? Harry. Leïla. Une boule de farine, tu peux me couper le doigt. Sois patient. Non, mais sérieusement, même en entrée, il n'y aura pas ta place. Non, mais Harry, tu cherches quoi à la cuisine avec les femmes? Non, moi, je... Ça va alors, pugez-vous avec. Ouais, on va le faire. Tu es la salle que j'ai mis. Tu auras une cloque de plus. Vas-y, serre-toi. Brian avait ses interdits. Il faut avouer qu'il va fort. Et il devrait se calmer. De toutes les façons, j'ai prévu me... taper cassé dans la chambre de ses parents. Wow, c'est pas un peu fort là? L'adrénaline, tu sais ce que ça me fait? Et aussi, j'ai pensé que tout le monde pourrait se faire du bien tout à l'heure avec ce que tu connais, quoi. Si Serena me voit en train de prendre ses cochonneries, elle va me trucider. Qui va dire à Serena que tu prends ses cochonneries? Tu n'as pas tort, hein. Voilà. Alors tout à l'heure, on se fait du bien. Ça marche. Mec, pourquoi tu ne restes pas avec nous pour continuer la teuf? Déjà, on commence à s'amuser tout le week-end. Je comprends bien les gars, mais je peux pas. Je prépare mon album, donc demain je serai en studio. J'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais c'est pas possible. Ah, Angola King. Ouais, ça bosse dur, hein. Très dur. J'ai pas le choix, les gars. Après mon son avec Minx, faut forcément que je fasse un comeback exceptionnel. Enfin, je passe. Ouais. Allez, je vais vous laisser, les gars. Ok, prends soin de toi. On se prend au téléphone comme prévu. Ça marche. Super. Bon, je pense qu'il est temps de me saouler la gueule. Ouais. Ensuite. C'est à 19h que tous les autres invités sont arrivés.
C'est toi? Ouais. C'est comment? Ça va, ça va. C'est quoi? J'ai bien l'impression que cette histoire de fête était une très mauvaise idée. Mais bébé, pourquoi tu dis ça? Rien ne s'est cassé. Bien sûr, mais pour ça, il a fallu que j'y veille. Hein? Sinon, ils auraient déjà foutu le bordel ici. Et sans compter ta soeur qui ne fait que m'appeler à chaque 10 minutes. Par contre, ça ne risque ça. Oh, c'est tout elle. Elle veut juste te rassurer que tu veux ici. Ça aussi, je le sais. Mais si seulement pourrait savoir, c'est toi qui viens sur moi. Où sont les autres? Je ne sais pas. Cherche-les un peu de partout. Tu as cherché aux toilettes, dans les chambres. Bon, j'y vais, ne sais pas, hein? À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Dis-moi, bébé, pourquoi as-tu voulu qu'on fasse ça ici? Ah, c'est une idée que j'ai super à dire. Tu veux montrer un peu de l'opéra? Toi alors. Mais Kai, qu'est-ce qu'on fait là-bas, ça? C'est la soeur de mes parents? Mais mec! Mais rien du tout! Allez dans le bloc à pièce, mais pas ici! L'envie est partie. Dehors! Retirez cette demain quand même. Bran, arrête de nous faire chier. Ah bon? Donc je vous fais chier? Tout simplement parce que je vous demande de vous tenir à carreau. Vous, comme vous des gamins, vous tombez des adultes. M'en va où j'ai justement, on n'en dirait pas. Prends contre tes paroles. Sinon quoi? Oh, à elle, tu ne parles pas comme ça. Je parle comme je veux et comme ça me chale. Mais c'est chez moi. Je vais te faire avaler ta chérie. Ah! Après, Brian s'est rendu compte que la voiture était finie. Et il a décidé d'aller en acheter. Kain et moi, on a voulu l'accompagner, mais il a refusé. Et il allait seul. Il a mis long. Quand on l'appelait, il ne répondait pas. Nous sommes restés à l'attente, mais aucune nouvelle. J'espère qu'il va bien. Je veux qu'il m'appelle. Il ne respire plus. Brian! Non! Brian! 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 Tu me fais mal à ta mère! Brian! Oh!
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je te rappelle que tout ceci est de ta faute et tu devras subir tout seul! La femme, mais c'est quoi ces paroles de merde, putain? C'est arrivé, on gère ensemble! On est une équipe ou pas? Je fais pas équipe avec ce connard! Qu'est-ce que tu traites de connard? Toi, imbécile! Kai, tu penses réellement que c'est le moment? On s'en regarde, Leïla! Faut que avouer que c'est la faute à Jay! Et elle s'y met aussi celle-là! Bébé, s'il te plaît, je ne sais pas la prison, y a pas le mec comme là-bas! Non, je comprends, calme-toi, calme-toi! Regardez ce que vous faites, bande de connards! Écoute bien, tu n'iras pas en prison, d'accord? Je te le promets. Écoutez, personne n'ira en prison, surtout si vous décidez de m'écouter. Toi qui? Qui t'a nommé chef? Faut que savoir ce que vous voulez! Taisez-vous! Je vais appeler ma grande soeur. Si tu fais ça, nous sommes fichus. Si tu fais ça, va nous dénoncer. Fais pas ça, ma fille, s'il te plaît. S'il te plaît. Leïla, calme-toi, on va gérer ça. On va gérer ensemble. Mais tu sais, comme Leïla n'est pas là, j'ai décidé de me faire plaisir. Ah bon? Oui. J'ai finalement accepté l'invitation de Joe. Il ne se fait pas tard pour ça? Oui, je sais qu'il se fait un peu tard, mais il en vaut vraiment le coup, crois-moi. Surtout quand je pense à son corps. Kine, toi! Ok chérie, j'ai un double appel de Leïla, je le rappelle, d'accord? D'accord, sans souci, ma bisous, puce. À tout à l'heure. Allô, ma petite sœur d'amour, ça se passe bien? Leïla? Tu pleures? Brian est mort! Quoi? Leïla. Leïla, calme-toi s'il te plaît. Ce n'est pas de ta faute. Non, arrête, Leïla, arrête de pleurer. Non, arrête. Non, tu n'iras pas en prison, Leïla. Ni toi, ni tes amis. Personne n'ira en prison si vous écoutez attentivement ce que je vous demande de faire. Ma chérie, écoute-moi très bien. Tu me fais confiance, oui ou non? Nous avons vos relevés téléphoniques et ceci montre que vous avez passé plusieurs minutes au téléphone avec Curtis au cours de la soirée. C'est normal, c'est ma grande sœur, la seule famille qui me reste. Quand je suis loin d'elle, on s'appelle beaucoup. Leïla, si on s'en tient à ce que ta grande sœur a dit, on peut s'en sortir. C'est pas très loin dans mon idée. Ah bon? Tu penses réellement que l'idéal serait de brûler le corps comme tu l'as dit? Pour attirer l'attention de tout le quartier? Mais dis-moi Kai, que ferons-nous des restes lorsqu'ils seront cramés? Monsieur, je sais pas. Moi au moins j'ai proposé quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on panique tous. Mais s'il vous plaît, planifions bien la chose. Mon avenir est en jeu. Bon, je vais prendre un verre. Oui, c'est ça. Tu ne peux que boire. On va s'en sortir, ok? Ok. Mon doudou m'a manqué. Oh là là, choupoupou. Voilà, je sais ce qu'on va faire. Tu vois, tiens, arrête mon habit.
tu vois, il est doux, il est comme ton doudou, tu vois. Je n'aime pas quand tu pleures. Son corps a disparu. Pas vraiment. En fait, c'est Kyle et moi qui avons déplacé le corps. On s'est dit que n'importe qui pouvait arriver à l'improviste. Du coup, on a déplacé le corps et on a attaché à la buanderie. Faites chier! Après, on a nettoyé le sang. Quand vous faites un mouvement aussi important, pensez à informer les autres. J'ai failli avoir une attaque. Même moi. Toi, tu es d'abord un bon peureux. Oui, parce que toi, vraiment... Bon, vous savez quoi? Allons chercher la pelle. C'est vrai. Nous allons creuser. Bien profond. 10, 15, 20 mètres sous terre. Bon, ça, ce sont les muscles, donc les hommes. Les filles, vous restez là, vous allez faire un peu de compte. Ça, on va gérer le reste plus tard. Je viens avec vous aussi. Personne ne peut rester ici. Pourquoi les femmes sont comme ça? Quand on vous donne l'occasion de faire le Congota, vous refusez l'égalité des sexes. Ah, peut-être certaines parmi elles ont fait la nationalité, qui sait. Salut les gars. Salut. 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 Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter Brian, mon petit ami. Dorénavant, un membre du groupe. Salut Brian, bienvenue. Merci. Moi c'est Cassie. Serena, Jennifer, Henri, Kai et mon chéri Jay. Ravi de faire vos reconnaissances. Moi je partage le même plaisir. Tu partages rien. Moi, tu vas partager autre chose. Bienvenue parmi nous. Merci. Tu parlais de partager autre chose là, tu parlais de quoi même?